Allez, on va essayer de remonter. C'est très dur de doubler du coup. Regardez le bordel. Ah putain, c'est énorme. Allez, si j'arrive à repasser, j'arrive à tourner. Ah, c'est collé, on est collé l'un contre l'autre. Hey, salut à tous, c'est 487 et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vous fais une vidéo sur les courses les plus folles, les plus fun, les plus... peut-être débiles pour certains, les plus what, les plus dingos sur Wreckfest. Sur Wreckfest, le jeu bien fun, bien délirant, qui change un petit peu d'univers. Et on a des véhicules complètement tabalards. C'est-à-dire, regardez, on a le tracteur tondeuse. On a également, regardez, la moissonneuse boiteuse. On peut faire des courses en moissonneuse batteuse. On peut faire des courses en camping-car, les gars. Camping-car. On peut se défoncer la tête au camping-car, en bus scolaire. On a des courses en bus scolaire. C'est pas fini. On a des courses en canapé. Mais je crois que celle-là, c'est la plus folle. La sofa-car. C'est énorme. Et on a également la super van pour ceux qui adoraient Mr. Bean. La voiture à trois roues. La célèbre voiture à trois roues. C'est super de la retrouver dans un jeu. Moi, c'est vrai, ça me faisait toujours marrer. Et donc, on a la super van. Je vais vous proposer différentes courses pour voir un petit peu le délire qu'on peut retrouver sur ce Wreckfest. Allez, dégagez. Oh, c'est tellement sensible la conduite. Allez, cassez-vous. Il y a la moissonneuse qui passe. Toi, arrêtez. Arrêtez, c'est une conspiration! Oh là là! Oh. T'as la moissonneuse qui passe aussi! Excellent! Allez, nouvelle course folle et loufoque! La course de canapé! On aura tout vu dans ce jeu! Hop, ça part mal! Oh! J'ai été éjecté! Ben, ça part très mal! Voilà, je vais partir dernier, comme ça au moins j'aurai la chance de pouvoir peut-être rattraper les autres. Là, ça fait tout bizarre quoi. Par contre, je crois que j'ai pas réglé mon frein à main encore une fois. Et ça, c'est chiant. Alors, les gars, bim, bam, boum. C'est stylé, les canapés de fou comme ça. Allez, allez, poussez-vous. Merde. Ça donnait ces canapés. Les canapés roulants. Donc on peut se cartonner dans les airs du coup, c'est ça qui est sympa. Ça a plus de tenue de route en fait que certaines bagnoles, c'est ça qui est un peu fou. Wow, l'intérieur du canapé, regardez ça. Oh là là, quel génie. Quel génie. Je suis 9ème, mais y a combien de mecs? Allez hop, toi t'es parti, on va regarder la télé. Oh là là, Crash Team Racing quoi. Oh là là, oh yeah. J'ai mangé chaud à tous les étages. On repart quasiment dernier, je pense. Ah, c'est une course à dégâts, hein.
On peut se mettre des méga dégâts dans la tête. Ah! Good Rider, Goon Rider va vite aussi. D'avoir un bon kart comme moi. Bien, bien. Oh là! Il y avait un mec sur la piste. Ça m'a fait peur. Attendez les gars. Ah! C'est à moi de sauter. Ce jeu est complètement débile. Ça me fait marrer. Est-ce qu'il y a de la physique dans... Oui, oui, il y a de la physique. Allez, c'est parti pour la course de camping-car. Allez, avance. Je connais pas le circuit. Oh là là, le bordel. On va pas pouvoir passer tous. C'est vraiment un tout petit circuit. J'aurais dû prendre un autre circuit, peut-être. Oh, le chantier. Regardez le bordel qu'ils ont fait. Allez, on va essayer de remonter. C'est très dur de doubler du coup. Regardez le bordel. Ah putain, c'est énorme. Allez, si j'arrive à repasser, j'arrive à tourner. Ah, c'est collé, on est collé l'un contre l'autre. Allez, ça passe. Ah, il va vite celui-là, là, le junk magnet. Attention à l'intérieur. Hop, tiens. Tiens, junk magnet. Il va me la faire ou pas? Wesh. Il a pas pu me toucher. Par contre, là, ce virage est terrible. Faut que je reste à l'intérieur. Si je veux pas trop me faire avoir. Et j'ai bien joué. Allez. Allez. Ah, c'est fun, les courses de camping-car, vraiment. Bon, je vais me faire dégager, à mon ami, mais... Ah, il va vite celui-là, les bleus là, ils vont vite. Oh. Oh. Ah, c'est le chantier, les deux bleus sont devant. J'essaye de leur faire du mal moi aussi. C'est une course à dégâts, hein, donc on prend cher tout au long de la course. On va pas tous passer là. Oh oui. Le bleu a mangé. Est-ce que je passe? Non. Je commence à être... Oh. Ah, je lui ai éclaté l'arrière. Allez. On peut essayer de passer. Faut que je reste intérieur. Ah non, ils m'ont secoué. Oh, ils m'ont eu. Ils m'ont eu. En fait, triangle, ça va plus vite pour se remettre sur la piste. Sinon, c'est une galère. Regardez mon camping-car, l'état de mon camping-car. On sera plus léger, peut-être. Boum. Oh, 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 excellent. Oh, le bleu. Oh, le bleu est mort. Oh, j'ai presque plus rien. J'ai presque plus rien sur le mien. Ça ressemble à un morceau de tôle. Tiens. Tiens, Sarge. Ah, mais la... Ah, la ferraille s'est entremêlée dans le camion. Dans le camping-car. Allez. Ah. Il y a déjà un qui a gagné. Ça doit être un bleu. Oh là là, regardez. Il chasse. Très très dur maintenant dès que tu veux accélérer. Petite portière qui s'ouvre à droite. Non, il faut pas qu'il passe le jaune. Je fais toujours à l'intérieur. Mais on a combien de tours de retard? Ah, ça y est. Waouh. Ah, c'est bien pour se défouler, j'adore. Allez, nous voilà avec un bus scolaire, le fameux school bus américain. Et là, il est équipé pour partir au combat. Nous voilà dans le race, dans la race. On est 11 en fait. Et c'est parti avec le school bus. Ça promet des dégâts. Pareil, je prends des circuits que je connais pas. On va voir les dégâts que ça peut engendrer. En tout cas, la course est partie. Pour se doubler, ça va être complexe. Tiens, ça commence. Il y a de la place. Il y a de la place. Pour l'instant. On peut casser les panneaux, on peut casser les barrières. Pour l'instant, il y a moins de dégâts, comme c'est assez long. Comme véhicule. Ah, j'ai failli le mettre de côté, lui.
Du coup, c'est vraiment plus une course. Là, il va manger là. Oh là là, GG. Bon, je me suis un peu mis dans la merde, mais waouh. Je voulais voir ce que ça faisait. On peut vraiment le retourner en fait, si on le tape bien. Et je m'échappe. Ah, je suis premier, c'est un peu dommage. C'est mieux quand on est plutôt vers la fin pour pouvoir mettre des dégâts. Mais il y en a un qui commence déjà à revenir vers moi. Ah, c'est sympa, ça change de temps en temps pour se distraire. Je trouve ça bien. Pour se distraire, ouais. Après, j'en ferai pas tous les jours, mais pour se distraire, c'est sympa quoi. Un petit peu. Voilà, tu viens de voir quelques véhicules les plus fous sur les différentes courses de Valkfest. J'ai pas fini d'ailleurs, je te propose que je fasse une nouvelle vidéo la prochaine fois pour que tu puisses voir moissonneuse-batteuse, que tu puisses voir la voiture à trois roues, etc. Je pourrais également te montrer pas mal d'autres circuits car c'est assez rempli au niveau circuit. Il y a également un mode carrière que tu peux développer. Tu peux faire des courses comme te plaît en fait. Et il y a également un genre de mode arène pour ceux qui ont connu la PS1 et Destruction Derby, le jeu d'anthologie, le jeu qui nous a fait énormément aimer les jeux vidéo, enfin je parle pour moi à mon époque, vous pourrez également faire des choses comme ça dans le jeu. Donc je pourrais également vous montrer, ouais, on a des terrains en herbe, on a des arènes circuits, des arènes en terre. Je pourrais également vous montrer ça sur la prochaine vidéo, ça pourrait être pas mal. Alors si ça t'a plu, n'hésite pas à follow ma chaîne, tu retrouveras différentes vidéos, c'est assez multi-gaming ici. Tu peux me retrouver également sur Twitch, je fais des lives régulièrement sur Akato87TV. Tu tapes sur Twitch, de toute façon il y a un lien sur ma chaîne, là tu peux cliquer directement dessus. Et n'hésite pas, si tu veux lâcher un petit like, un commentaire, ça sera avec plaisir, je pourrai échanger avec toi. En tout cas, Wreckfest c'est vraiment super fun, profitez-en, il est gratuit. Enfin, gratuit entre guillemets, si vous êtes abonné au PS Plus, vous l'avez pour les personnes qui sont sur PS5. Et il est sur le PS Now actuellement aussi. Si vous êtes abonné, n'hésitez pas, c'était Akato87. Merci à tous, à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.